Je m'appelle Khalid Ibrahim. Je suis le chef de la section de DDR à la MINUSCA. J'ai rejoint la MINUSCA en février 2015. Notre rôle est de travailler avec plusieurs parties du conflit, pas seulement les groupes armés, mais aussi avec les autorités nationales, la société civile, les partenaires internationaux, pour créer un consensus sur une vision nationale. Depuis notre arrivée, avec mes collègues, avec les partenaires, nous avons bien étudié ces problèmes et toutes les raisons pour lesquelles le DDR n'a pas pu aboutir à des résultats concrets. Et nous avons intégré toutes les leçons apprises. Nous avons aidé le gouvernement à concevoir une nouvelle vision nationale qui a été concrétisé dans la stratégie nationale du DDRR qui a été validée par le comité stratégique du DDR. Le DDR était toujours pour moi une grande motivation et j'essaye de le faire avec une grande passion. Car le DDR, c'est un processus qui est tellement proche à l'être humain. Ça me permet de me rapprocher au cœur de la crise. Parce qu'à la fin, c'est une crise humaine. Ça nous donne la chance d'aider les Centrafricains à dépasser cette phase difficile de leur histoire. On essaye d'utiliser nos connaissances pour les aider à chercher et trouver des solutions pacifiques à tous leurs problèmes politiques, économiques, ainsi qu'aussi problèmes de gouvernance. Le DDR, il est un élément indispensable dans le maintien de la paix.